Coucou les filles, voilà de retour, toujours avec notre fameuse barboteuse. C'est une taille complémentaire, donc de 6 mois à 12 mois et même 18 mois, il me semble. J'ai préféré travailler un peu plus large que les tailles normales, de façon à ce que un bébé qui soit bien, qui soit potelé, ne soit pas trop étriqué dans ses vêtements, voilà. J'avais précédemment fait la culotte qui sera montée sur le corsage. Donc là, je vais entamer le corsage à la taille depuis 6 mois jusqu'à 12 mois. Alors, on va commencer de la même manière que pour la vidéo précédente de la taille 0 à 3 mois. Rappelez-vous, c'était une barboteuse bicolore. Corsage blanc et culotte rose poudrée. Là, cette fois-ci, donc, nous allons entamer la même chose, sauf qu'on va agrandir, comme vous avez pu le comprendre. Donc, je vais monter 66 mailles pour la taille que j'entreprends de faire. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais monter mes mailles et on se retrouve après. Voici ma chaînette finie. Donc, pour rappel, j'ai fait 66 mailles en double fil, comme vous pouvez le constater, et avec le crochet numéro 3,5. Sur l'autre vidéo, mon crochet était vert et là, il est gris, tout simplement parce que je ne sais pas où j'ai déposé mon crochet, je ne le retrouve pas. Je pense que toutes les crocheteuses me comprendront. Voilà, je perds souvent mes crochets, je ne sais pas pourquoi. Et voici donc la chaînette finie, je disais, et nous allons commencer un rang de mailles serrées. Mais bien entendu, vous allez faire d'abord une chaîne, enfin une maille chaînette ou une maille en l'air pour commencer, et vous allez directement crocheter sur la deuxième maille une maille serrée. Voilà. Vous allez faire le long de la chaînette des mailles serrées et on se retrouve à la fin. Voici donc la bande que j'ai obtenue. Nous allons mesurer tout ça. Alors, nous avons 28 et demi. 28 cm et demi. Voilà. Donc, à ce moment-là, nous allons commencer notre point directement. Je vais faire une maille en l'air. Je tourne et je fais une maille serrée sur la même maille du début de rang. Et ensuite, je vais laisser deux mailles serrées et je vais venir faire dans la troisième 5 brides. Une, deux, quatre et cinq. Voilà. Je vais du coup laisser une maille serrée, et je fais une maille serrée sur la suivante, comme ceci. Dorénavant, je vais laisser juste une maille à chaque fois, juste une maille serrée à chaque fois. Donc là, je laisse la première maille serrée, je vais piquer dans la deuxième et faire notre éventail de 5 mailles, de 5 brides. De 4, 5, et je vais finir par une maille serrée sur la deuxième maille serrée suivante. Voilà. Alors, sans tarder, je vous laisse finir le long de la chaînette en laissant toujours une maille serrée entre deux éventails et mailles serrées. On se retrouve à la fin, je vous montre
ce qu'il faut faire à la fin. À tout à l'heure. Voilà, arrivé à la fin de mon rang, je vais laisser une maille serrée et faire ma dernière maille serrée au bout du travail. Voilà. Voilà tout simplement. Alors, je vous montre ce que ça va faire. Bien entendu, ça ne fera pas le tour complet puisque nous laissons un intervalle pour la boutonnière. Voilà. Et on va commencer bientôt les augmentations. On va préparer nos marqueurs. Alors, nous allons voir où est-ce que nous allons commencer nos augmentations. C'est à peu près à la moitié du travail. C'est-à-dire que nous allons partager le travail en deux, à peu près. Donc, vous voyez, on arrive à après les quatre premiers éventails. Donc là, 1, 2, 3, 4, et là. Donc je vais marquer mes éventails, enfin mes endroits où il faut faire mes augmentations. Je vous conseille d'utiliser des marqueurs, comme ça vous ne vous y perdrez pas. Alors, voilà. Donc, ici, comme, alors, pour rappel, sur la taille de 0 à 3 mois, nous avions commencé les augmentations à partir des 3 premiers éventails. À la taille plus grande, nous allons commencer un éventail plus loin. Donc, à ce niveau-là, au lieu de faire 5 brides, nous allons faire 7 brides. Ici, pareillement. Je vais faire le rang. Hein. Si vous avez une difficulté, allez voir la précédente vidéo de 0 à 3 mois pour les augmentations de cet éventail. Donc ici, on fait 7 éventails au lieu de 5. Je vais faire mon rang, on se retrouve à la fin. Alors, voici ce que nous avons fait. Donc là, ici, on est au troisième rang. Le premier rang étant le rang de maille serrée. Le deuxième où on a commencé les premiers éventails et le troisième. Donc je vous avais dit de marquer ici entre deux éventails avec un marqueur pour faire des augmentations. C'est-à-dire que nous avons fait ici 7 brides au lieu de 5. Nous avons fait la même chose ici et j'ai remis les marqueurs pour me rappeler que c'est là que j'avais fait mes augmentations. Donc le prochain rang, nous allons le travailler normalement sans augmentation. Donc je fais une maille en l'air et je fais une maille serrée au début. Alors, pour info, le troisième rang, nous avions commencé par 3 brides et non pas une maille serrée puisque nous faisons continuité avec les éventails. Qu'on va intercaler à chaque fois entre deux éventails. Donc là, ça fait la moitié d'un éventail, trois brides ici. Donc voilà, j'avais fini par la même chose, par 3 brides. Et là, je commence par une maille serrée. Et à intervalle d'un rang sur deux, nous allons faire une fois une maille serrée, une fois 3 brides. Voilà. Et je continue donc. Je vais avancer un petit peu jusqu'à mon éventail de 7 brides. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Me voici arrivé à l'éventail de 7 brides. Je vais faire dans la bride de la maille serrée précédente 5 brides. 2, 3 et 4. 5. Par contre, là, je vais sauter une maille serrée, une bride au lieu de deux.
Alors, je saute une bride, je vais faire une maille serrée sur la bride suivante. Alors, je retire le marqueur. Et ensuite, je laisse encore une bride et je fais un éventail de 5 brides sur la bride suivante. Une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Et je redescends en laissant encore une bride. Je pique dans la suivante pour faire une maille serrée. Et là, je laisse cette dernière bride et je vais piquer dans la maille serrée suivante pour faire 5 brides. Encore un éventail. 2, 4, 5. Voilà. Et ensuite, je continue normalement, c'est-à-dire je laisse 2 brides et je pique dans la troisième bride. Voilà. Je vais terminer pareillement jusqu'au niveau de l'éventail, le dernier éventail de cette bride, et je ferai la même chose qu'ici. Bien sûr, je vais quand même marquer l'endroit de mes augmentations, c'est-à-dire le centre des 7 brides et qui est l'éventail de 5 brides. Je mets mon marqueur et je continue. Donc je vais terminer mon rang et on se retrouve à la fin. Alors voici fini le quatrième rang. Donc vous avez vu ici, nous avions fait les éventails de 7 brides, là et là. J'avais fait au-dessus un éventail de 5 brides que j'ai marqué. Là également. Maintenant, au cinquième rang, nous allons encore faire des augmentations, mais cette fois-ci, alors que je dise pas de bêtises, cette fois-ci, nous allons. Alors, attendez que je vois à peu près. Est-ce que ça va là? Non, on va faire la même chose que pour la petite taille de 0 à 3 mois, donc dans la précédente vidéo. Nous allons faire des augmentations par-ci par-là de l'éventail central que vous voyez. Donc, je vais faire ici un éventail de 7 brides, ici de 7 brides également, et par là de la même chose, par-ci et par-là. Donc, je laisse mes marqueurs ici pour que je vois que je suis bien symétrique. Hein? Alors, je vais faire mon cinquième rang en faisant mes augmentations par-ci par-là. Et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai fini donc le cinquième rang. Comme je vous expliquais tout au départ, au troisième rang, nous avions fait une augmentation. Attendez. Ici, de 2 brides, puisque nous avons fait 7 brides dans un éventail au lieu de 5. Le rang d'après, on a travaillé normalement. Et le cinquième rang, nous avions augmenté par-ci par-là de l'éventail central qui était là. Donc là, nous avons obtenu 7 brides ici et 7 brides là. Nous avons gardé toujours le même marqueur ici hein, pour voir l'axe d'augmentation si vous voulez. Et là, donc, je vais faire mon sixième rang. Mon sixième rang va être comme le quatrième. C'est-à-dire que ici, on laissera qu'une maille serrée au lieu qu'une bride plutôt au lieu de deux entre deux mailles. C'est-à-dire ici, dans la maille serrée qui est là, nous ferons 5 brides. Ensuite, on laissera une bride. On fera une maille serrée sur la suivante. On laissera une bride encore. Et on fera 5 brides dans la centrale. De l'autre côté, on fera pareil que par-ci. Ici, au niveau de la maille serrée centrale marquée, nous allons faire 5 mailles normalement. Et on fera pareil ici que là. Et donc, nous ferons notre sixième rang.
Je vais faire mon sixième rang et on se retrouve après. Alors, voici fini le sixième rang. Je vous montre à peu près ce que ça va donner. Les épaules sont en train de se former ici. J'ai laissé un assez bon espace pour les boutonnières. Je vais mesurer ce que ça donne de part et d'autre de l'épaule. Nous avons ici 21 cm. Alors, le prochain rang, on va le faire sans augmentation. Je vais voir au fur et à mesure comment se dessine notre corsage. Donc, le prochain, je ne vais pas faire d'augmentation. Ça sera notre septième rang. Au bout du septième rang, on se retrouve et on voit ce qu'on va faire de nouveau. À tout à l'heure. Bon, voici fini le septième rang. J'avais dans l'idée de m'arrêter là pour les diminutions, mais il me semble que pour avoir un arrondi plus grand par ici, je m'en vais faire des diminutions au milieu du travail. Donc nous allons compter le nombre d'éventails que nous avons afin de partager le travail en deux et prendre le milieu ensuite pour y mettre des diminutions, des augmentations, pardon. Alors là, il me semble que je parlais de diminution depuis tout à l'heure, donc c'est des augmentations. Bon, voilà. Alors, je vais compter. Je ne compte pas le demi là, je vais compter les éventails complets. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 21. On ne compte pas le demi là. Donc 21, on enlève celui du milieu. Donc on aura 20, on divise par 2, ça nous fera 10. Donc 2. 4, 6, 8, 10 et le 11e, on va le marquer. On va marquer le 11e éventail. Alors, voilà. Et ce qui fait que nous allons faire deux augmentations par-ci par-là. Donc, il y aura ici 7 brides, un éventail de 7 brides, et là un éventail de 7 brides. Donc on fait exactement comme lors des précédentes augmentations. Je vais faire mon rang, donc vous le marquez comme j'ai marqué là. Je vais faire mon rang en rajoutant donc 2 brides là et 2 brides là pour faire 7 brides. Et on se retrouve à la fin du rang. Alors voici le 8e rang terminé. Vous voyez, on avait fait donc les deux augmentations par-ci par-là de l'éventail central qui est là. Donc cette bride là et cette bride là. Vous voyez ce que ça fait déjà comme pourtour en colure. Si on pliait un petit peu, regardez comment ça se présente. Alors, qu'est-ce que ça fait? On va remonter un petit peu. Bon, le milieu, il est là, voilà. Alors, je pense qu'à partir de là, je ne vais plus augmenter. Je vais continuer tout droit. À mon avis, il faudrait au moins 3 rangs. 1, 2, 3. 3 ou 4 rangs. Je vais faire 3 rangs en n'oubliant pas bien sûr au niveau de nos augmentations ici sauter une bride pour piquer dans la suivante, etc. Hein, comme on a fait précédemment. Donc vous faites la même technique. Et je vous retrouve donc. Alors on va compter. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. On est bien au 8e rang. Je vais rajouter 3. On aura 11.
Je vous retrouverai à la fin du 11e rang. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, tout compte fait, je vais plutôt augmenter à nouveau au 10e rang. Donc là, après le 8e, j'ai fait le 9e rang. Comme vous voyez sur les éventails de cette bride, j'ai sauté juste une maille à chaque fois, une bride à chaque fois. J'ai fait un éventail de 5 brides au-dessus. Hein. Les deux éventails d'augmentation sont là et là. Donc, j'ai fait de façon à ce que je travaille normalement après. J'ai fait des mailles, des éventails de 5 brides. Alors, après que j'ai compté, que j'ai mesuré, je me suis dit qu'il faudrait encore, avant que d'arriver à l'émanchure, enfin, comment, à la formation des manches, des sorties de bras, si vous voulez, je me suis dit il faudrait augmenter encore un petit peu. Parce que comme le bébé de 1 an, c'est pas un bébé de 3 ou 6 mois, donc il faudrait qu'il y ait une assez bonne largeur de bras. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est augmenter après 3 éventails. Donc, je compte 1, 2, 3. Je vais mettre un marqueur ici. Voilà. Et je vais faire ici mes augmentations. C'est-à-dire que là, je vais faire un éventail de 7 brides. Donc, n'oubliez pas, 1, 2, 3. Ne comptez pas les 3 brides qui sont au début. Donc, 1, 2, 3. Je mets mon marqueur. De l'autre côté, je vais compter encore 1, 2, 3 et je mets un marqueur. N'oubliez pas que je suis à mon 9e rang. Là, je viens de terminer mon 9e rang. Donc, mes prochaines augmentations seront sur le 10e rang. Alors, je vais tout simplement commencer. Donc, je vous ai montré où faire vos éventails de cette bride et je vais le faire. Ensuite, je ferai le rang d'après, le 11e, normalement, c'est-à-dire 5 brides au-dessus de l'éventail de cette bride, comme on a l'habitude. Et j'irai peut-être jusqu'au 12e rang. Et on se retrouve après. Voilà, j'ai fait donc mon 12e rang. Alors, je vous avais demandé de faire des augmentations au 10e rang, qui est là. Voyez, je continue, je remets toujours le marqueur au niveau de la précédente augmentation. Donc, en l'occurrence, c'était au 10e rang ici et ici, de ce côté-là aussi. Si vous voulez, on compte ensemble. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11 et 12. Voilà, le 12e, c'est le rang de mailles serrées. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors après vérification, j'ai pris des mesures, etc., en comparaison avec le tableau de mesure que j'ai sur le net. Je me suis dit qu'il va falloir encore augmenter un petit peu au niveau des manches. Alors, j'avais compté 6 éventails et on mettra une augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais venir faire une augmentation juste là. Donc, je vais replacer mes marqueurs. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je mets ici mon augmentation. Donc, je vais faire alors mes 7 brides ici et là. Si le prochain, ça va être le 13e. Donc, c'est au 13e qu'on fait nos augmentations après 6 éventails. Je ferai encore
un rang, c'est-à-dire le 14e, et on se retrouve après. Alors, me voici après quelques rangs supplémentaires. Tout à l'heure, je vous avais dit que j'allais faire encore deux rangs, c'est-à-dire le 13e où j'ai fait des augmentations, plus un 14e. Eh bien, au final, j'ai continué jusqu'au 20e rang. Donc là, ici, nous avons fini le 20e rang. Et pour vous éviter de trop de minutes de visionnage, j'ai fait mes propres calculs afin de placer, si vous voulez, les ouvertures ou former mes émanchures. Comme vous voyez là, j'ai déjà placé mes marqueurs afin de voir où s'arrêtent les manches, etc. Vous allez voir un peu plus clairement par ici. Donc, vous voyez que là, alors, voilà. Là, j'ai laissé une certaine distance pour faire ma monture de boutonnière. Alors, je suis en train de me demander si je n'ai pas laissé trop, justement. En même temps, alors, je crois que je vais un peu les déplacer parce qu'il me semble que je les ai trop éloignés. Mais par monture, voilà, je vais faire pareil ici. Alors, c'est là et là. Voilà. Là, on est bien. Voilà exactement ce qu'il nous fallait. Donc, récapitulons. Nous allons commencer à former donc nos fameuses manches. Alors, je vous suggère de mettre vos marqueurs après les trois premiers éventails, comme sur le premier modèle, c'est-à-dire pour la taille de 0 à 3 mois. Mais par contre, nous allons compter un peu plus ici. Donc, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 7 éventails, et vous placez ainsi vos marqueurs, c'est-à-dire dans la cuvette où vous voulez, ou si vous voulez, dans les mailles serrées entre deux éventails, que ce soit par là ou par là. Donc, ici, nous aurons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, j'ai un petit cheveu. C'était ma pelote que je tricotais hier. Bon. Donc, voilà. Nous avons 7 ici et 7 là. Et je vais quand même mesurer avec vous la hauteur que nous avons obtenue. Alors, où est-ce que j'ai mis mon mètre? Alors, vous allez vous arrêter à environ 15 cm. Voilà. Ça, c'est pour celles qui n'ont pas utilisé le même fil ou bien pas le même crochet, on va dire, et en utilisant bien sûr un échantillon. Donc la longueur ici, vous laisserez 15 cm. Voilà. Ensuite, nous allons voir à partir de quand commencer à former les manches. J'ai à peu près 37 cm. 37 cm, bien sûr, c'est aléatoire, enfin aléatoire, plus ou moins, puisque le poids n'est pas étiré correctement, les parementures ne sont pas fixées, etc. Vous comptez environ 37 cm. Alors, je vous montre un peu par là. Voilà ce que ça fait. Voilà, ceci dit. Alors, ferme-toi.
Sésame, ferme-toi. Voilà. On va continuer donc et là, nous allons commencer à travailler les manches. Alors, je termine mon rang parce qu'il s'était défait. J'ai des peluches de pelote précédente que je travaillais. Et quoi je travaillais, c'est pour ça que j'espère que j'en ai pas collé un peu partout. Bon, bref. Alors, je fais donc 3 mailles en l'air pour faire mon demi-éventail avec 2 mailles de bride. Je vais travailler normalement jusque-là. Je fais une maille serrée sur l'éventail suivant. Je vais travailler normalement jusqu'au moment où on arrive au marqueur. Alors, terminer comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé encore de crochet parce que je viens de retrouver celui-là. Donc, je trouve qu'il est meilleur. On a toujours des préférences concernant nos outils de travail. Alors, ici, je vais retirer déjà cette partie-là. Voilà, je remets le marqueur à sa place. Et là, je vais faire, alors, je fais 3 brides. Une, deux, trois. Ensuite, je vais faire 10 mailles en l'air. 10. Est-ce que ça le fait? Oui. Alors, 10. Donc, on va faire 3 brides. Mince. Pas évident. Attendez que je refasse les deux dernières. Voilà. Donc, je fais ici 3 brides. Une, deux, voilà, et je fais une maille serrée sur l'éventail suivant. Voilà pour l'instant comment que c'est fait. On a suffisamment d'aisance et je vais avancer jusqu'au prochain marqueur. Voilà. J'ai avancé jusqu'au prochain marqueur et là je vais donc enlever la première partie. Donc c'est ici dans la maille serrée et je vais faire pareil que tout à l'heure. Donc je fais 3 brides, une, deux, trois. Je fais mes 10 mailles en l'air. 4, 5, 6, 9, 10. Je retire donc l'autre marqueur. Alors que je ne me trompe pas. Voilà. Et je vais venir faire 3 brides sur la maille serrée où il y avait le marqueur. Une, deux, trois. Et je fais une maille serrée sur l'éventail suivant. Voilà. Je continue donc. Je vais terminer mon rang et j'entame le prochain.
c'est-à-dire le 22e, puisque ici on avait fait le 21e pour former les manches. Au 22e, je vais arriver à ce niveau-là pour vous montrer ce qu'on va faire dans l'intervalle sous les aisselles. Voilà. Alors voilà. Donc je suis au 22e rang et je suis arrivée juste au niveau des émanchures. Alors je fais bien sûr 5 brides juste avant, les 3 brides, et je vais faire une maille serrée juste à la dernière bride de l'éventail suivant. Voilà. Alors je vais sauter juste une maille et je vais faire 5 brides sur la maille suivante. Une, deux, trois et quatre et cinq. Voilà. Je vais sauter 2 mailles et je fais une maille serrée sur la suivante. Je vais sauter 2 mailles et je fais 5 brides dans la suivante. 2, 4 et 5. Voilà. Ici, il me reste une maille que je vais sauter. Je vais me retrouver sur la première bride de l'éventail suivant. Je fais une maille serrée et je vais continuer normalement après ça. Donc, mes 5 brides. Voilà, donc voilà, j'ai formé 2 éventails en dessous des aisselles. Je vais continuer pour arriver jusque-là et je vais faire exactement la même chose à ce niveau-là. Donc, après, vous continuez directement ici, par là, et non pas par là. Hein? Pas sur les manches, mais directement sur le corsage en lui-même. Voilà, on se retrouve après la fin du 22e rang. Alors, me voici de retour. Donc, je vous avais demandé donc tout à l'heure de finir l'autre côté de la même manière que là. Donc, on avait fait 2 éventails ici. Et arrivé au bout, par là, je reviens sur mon précédent passage, je refais encore un rang. Ensuite, arrivé là, j'ai refait encore un troisième rang. Ce qui fait que là, ici, nous avons 3 rangs. On était, je crois, au 22e. 22e. Je vais tout simplement compter avec vous. Alors ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24. Voilà. J'ai compté sur un autre endroit. Peut-être que j'étais sur les endroits où il y avait des augmentations. Donc, je vais essayer de voir ici, par exemple. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Non, non, c'est bien ça, 24 rangs. Donc, vous faites en tout 24 rangs. Et je vais mesurer avec vous pour que vous puissiez voir à quel moment vous arrêtez de travailler. Enfin, vous arrêterez votre corsage, on va dire. Alors,
Nous avons ici 18 cm. Bien sûr, ceci dit, le travail n'est pas, enfin, le corsage n'est pas repassé, n'est pas mis en forme. Donc, nous avions 18 ici. Alors, on va mesurer. Notre corsage, enfin au niveau de l'abdomen. Alors je crois que je suis un petit peu décalée là pour que ce soit à peu près pareil que l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc j'ai environ 24 et demi. 24 et demi de fois, ça fait 48, 49. Donc on a pour un tour de poitrine de 49. Je crois que c'est correct. Ici, on a fini le corps du corsage. Il nous reste à faire les bordures dentelles ici et au niveau des manches. Je vais commencer d'abord par le bas du corsage puisque j'ai encore le fil accroché. Ce qui fait que là, je vais déjà faire une maille en l'air. Et là, je vais couper un fil. Bon, je vais couper celui-là. Parce celui qui est le plus court. Voilà. Et je garde donc mon autre fil. Pourquoi? C'est uniquement pour faire ma dentelle. Vous savez bien que ma dentelle, je la veux très fine, enfin la plus fine possible. C'est celle qui va venir par-dessus la ceinture de la culotte. Elle ne sera pas fixée sur la culotte, mais elle sera au-dessus, tout simplement, comme vous l'avez vu sur les photos. Alors, du coup, je vais m'arrêter là, je vais chercher mon crochet. Le 1 et demi et on se retrouve après. Voilà. Donc j'ai pris le numéro 1 et demi comme vous voyez. Et je vais j'avais coupé le fil, le deuxième fil, je vais prendre qu'un seul fil et je vais commencer par faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais laisser une bride et je vais piquer dans la deuxième pour faire une maille serrée. Je vais faire encore 4 mailles en l'air. Je saute une bride et je fais une maille serrée. Je fais encore 4 mailles en l'air. Je laisse celle-là et je pique dans la maille serrée. Etc. etc. en laissant toujours qu'une seule maille. Je vais terminer le rang, on se retrouve après. Voilà, j'ai fini donc le rang d'arceaux de 4 mailles en l'air. Nous allons compter le nombre obtenu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51. Alors, arrivé là, je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je vais piquer dans le premier assaut pour faire une maille serrée. Vous voyez, nous avons obtenu un angle droit ici. Je ne sais pas si vous voyez comme moi. Voilà. Je vais faire 4 mailles en l'air. Je vais venir piquer dans l'arceau suivant pour faire une maille serrée. Je fais encore 4 mailles en l'air et je pique dans le troisième. Je fais une maille serrée.
Voilà. À partir de là, je vais faire 7 brides dans l'arceau suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je vais venir piquer dans l'arceau suivant pour faire une maille serrée. Je fais 4 mailles en l'air, je pique dans l'arceau suivant, 4 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau suivant. Donc j'ai fait une maille serrée ici, une maille serrée ici et une maille serrée sur le troisième arceau. Je vais refaire cette bride dans l'arceau d'après. 2, 4, 5, 6 et 7. Voilà, et je pique dans l'arceau d'après. Voilà. Vous voyez, entre deux éventails, on a fait deux arceaux. Je vais faire pareil de l'autre côté. Deux arceaux et je fais cette bride. Et voilà. Et vous allez faire ça tout le long du bas du corsage. On se retrouve à la fin du rang. Alors, voici la fin de mon rang de début d'éventail. Donc, j'ai mis une maille serrée sur cet arceau. Je vais faire 4 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau suivant, 4 mailles en l'air, une maille serrée sur dans l'arceau suivant. Je vais terminer par une maille en l'air et une bride sur la première maille en l'air du rang précédent. Voilà. Pour qu'on ait deux arceaux et demi par là, comme on a fait deux arceaux et demi par ici. Voilà. Faut être vraiment symétrique. Alors, je fais 4 mailles en l'air, non, 5 mailles en l'air plutôt, puisque nous allons dépasser le premier arceau. Donc, je fais une maille serrée, vous voyez, notre travail, il est bien droit. C'est très important ces petites fi finitions, il ne faut pas bâcler votre travail. Soyez toujours bien soigneux. Je vais faire ensuite 4 mailles en l'air. Voilà. Et là maintenant, je vais ouvrir nos éventails, c'est-à-dire faire des brides sur chaque bride, mais espacées d'une maille en l'air. Alors, voici ma première, ma deuxième, elle est là. Mieux que je me rapproche, peut-être vous y verrez plus clair. Je fais une maille en l'air et une bride sur la suivante, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Alors, combien, ne vous trompez pas, ça fait partie de l'arceau. Nos brides sont là. Donc on a 2, 4, 6. La dernière, elle est là. Donc une maille en l'air et une bride. Voilà. Je termine par une maille serrée juste là. Vous voyez,
Notre éventail, il s'est ouvert là. Je fais encore 4 mailles en l'air. Et je refais la même chose pour ouvrir notre second éventail. Donc, toujours séparé par des mailles en l'air. Nous faisons une brite sur chaque brite. 7 brites en tout. J'ai mon fil qui s'est coincé. Et la dernière. Comptez bien vos brides à chaque fois. Ici, ne vous trompez pas, vous voyez, on a tendance à croire que ça, c'est une bride. Ce n'est pas une bride, ça fait partie de l'arceau qui est là. Hein, souvent, des débutantes font l'amalgame avec ce genre de situation. Donc ça fait partie de l'arceau. Ma première bride, c'est celle-ci. Donc, j'en ai 2, 4, 6 et 7. Je termine par une maille serrée. Alors, je vais continuer comme ça le long de mon rang et on se retrouve à la fin. Alors, voici arrivé à la fin de mon rang. Donc, j'ai fait mon avant-dernier arceau. Je vais faire 4 mailles en l'air. Et je vais piquer dans le dernier arceau. Voilà. Nous avons toujours 2 arceaux ici. Et nous avons ici 2 arceaux. Voilà. On est bien symétrique. Alors, maintenant, je vais faire 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Je pique dans le premier arceau pour faire une maille serrée. Voilà. Voyez, nous avons un angle droit ici. Je vais faire 4 mailles en l'air. Je pique dans le second arceau. Voilà. Et là, je vais commencer à faire des nœuds ici. En faisant une, deux, trois, quatre longues boucles que je tire avec un jeté et je fais une maille serrée. Voilà. Je vais ensuite faire un picot. C'est 3 mailles en l'air qu'on va venir fermer par maille coulée. Voilà, tout simplement. Je vais faire une maille en l'air supplémentaire et je fais ma deuxième nœud. Une, deux, trois et quatre. Et je ferme par une maille serrée. Voilà. Je vais faire un picot. Et une maille en l'air. Hop. Une, deux, et quatre. Et une maille serrée. Je vais terminer et on se retrouve après. Voilà, j'ai fini ma dernière nœud. Je vais faire un picot. Et sans faire une maille en l'air, je vais directement piquer dans l'arceau suivant. Voilà, je fais de nouveau un picot. Et je vais venir faire une nœud directement entre les deux prochaines brides. Voilà. Et on va terminer ainsi le long du rang. On se retrouve à la fin.
Voilà, j'ai terminé donc le rang. Il me reste à boucler ici par 4 mailles en l'air. Je fais une maille serrée, une maille en l'air et une bride sur la première des 4 mailles en l'air de début de rang. Voilà, donc nous obtenons un arceau et demi par là. Et un arceau et demi par ici. Voilà. Donc avec ça, nous avons terminé notre bordure dentelle. Alors, je vais couper le fil. Je termine donc, j'ai fini avec ça. Regardez ce que ça fait. Mes bordures, je vais les travailler à part et je viendrai les coudre ici. Par contre, nous avons terminé notre travail dans ce sens-là. Je vous suggère d'utiliser cette face-là en interne et on mettra l'autre face en externe. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a nos nappes qui sont plus rebondies de ce côté-ci que de l'autre. Ici, elles sont plutôt plates. Par là, elles sont rebondies. Donc visuellement c'est plus joli de ce côté-là. Donc vous mettrez votre vêtement dans l'autre sens. Voilà. Voici ce que nous avons obtenu. Donc là pour l'instant tout est brut. Ce n'est pas repassé. Ce n'est pas visuellement bien fini. Bien joli on va dire. La prochaine étape ça va être les manches. Je vais vous montrer comment on fait notre petite bordure de dentelle autour du pourtour manche et il nous restera l'encolure à faire et les parementures. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous retrouve à la prochaine vidéo pour faire tout ce que je viens de vous citer. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner afin de m'encourager pour vous produire toujours de belles choses comme celle-ci. Je vous dis à très bientôt. Bisous.